Enchaînement d'accords dans la tonalité de sol majeur. On va enchaîner donc des accords de premier degré, quatrième degré et cinquième degré de la gamme de sol majeur. Donc on va enchaîner donc d'abord un sol, donc la tonique hein, de la gamme. Donc on va jouer sol, si, ré. Enchaîne avec un accord de Do, donc Do qui est le quatrième degré de la gamme de Sol majeur. On va enchaîner Sol, Do, Mi, donc c'est la deuxième position de l'accord de Ré, de l'accord de Do. On enchaîne avec un accord de Ré, premier renversement, première position. Fa dièse, La, Ré. Et on revient à la position donc fondamentale de Sol. Sol, Si, Ré. Donc, on joue un accord de Sol, un accord de Do, un accord de Ré et un accord de Sol en partant de la position fondamentale de Sol. Sol, Si, Ré. Après, on va faire glisser notre doigt et on va aller sur la deuxième note de l'accord de Sol. Donc on va commencer par le Si, Si, Ré, Sol, que l'on va jouer avec les doigtés 1, 3, 5, que l'on enchaînera avec un accord de Do à l'état fondamental, Do, Mi, Sol, 1, 2, 4. On enchaîne avec une deuxième position de l'accord de Ré que l'on va jouer La, Ré, Fa dièse. Et on revient sur le Si, Ré, Sol. Première position de l'accord de Sol. On va décaler après notre doigt. On va le mettre sur le Ré. On va jouer toujours un accord de Sol, donc Ré, Sol, Si en deuxième position. Que l'on enchaîne avec un Do en première position, donc Mi, Sol, Do, avec les doigtés 1, 2, 5. Après, on enchaîne avec un accord de Ré à l'état fondamental, donc Ré, Fa dièse, La, 1, 2, 4, les doigtés. Et on reviendra à la position de Sol au deuxième renversement, donc Ré, Sol, Si. Voilà, on va enchaîner tous ces accords.